pour ne pas passer au niveau frontière terrestre. En ce sens, nous procédons à la saisie de ces camions. La saisie s'est faite dans la nuit du 15 mai 2018. Ça veut dire que son opération, nous commençons à faire filature depuis 7h du soir. À partir de 1h du matin, nous commençons à gagner le premier camion. Jusqu'à ce que nous arrivions pour une nuit là, nous saisissons 7 camions. Mais pour nous saisir, nous avons dit que c'est une vraie guerre. C'est une bataille. Parce que nous avons tiré et sous policiers et sous douaniers. Les gens ont tiré contre les contrebandiers. Les gens ont battu la bataille favorable pour eux. Ils prennent la fuite et ils quittent le camion dans la rue. Le 10 mai, nous saisissons un fusil avec 4000 cartouches. Calibre 40, ça ne fait l'endroit du port de Port-au-Prince. Dans le niveau de douane Mont-Cabrit, là, constat pas département. Côté gain environ 10 camions marchandises contrebande qui confisqués suite à l'autre opération, même autorité ça a été lancée dans la nuit 16, rivé 17 mai 2018, là, d'après directeur central AGDA Valérie Hilaire Sylvain. C'est dans le cadre de l'opération que nous avons fait conjointement avec la police frontalière. Nous avons et on quantité de camions qui gagnent de marchandises très importantes et près de 7 à 8 camions. Une dizaine de camions que nous avons là. Nous avons des produits en styrofoam, c'est des produits interdits, nous avons des œufs, des salamis, nous avons des soudures, nous avons des peintures, nous avons toutes sortes de produits. Le directeur général doit nous expliquer de suivre toute procédure légale dans ce qui est pour à camions, marchandises, contrebande, nous saisissons. Considération légale, camion. Nous faisons déjà, nous faisons saisie conservatoire d'abord et nous télé la justice. Juge de paix, t'es venu, il fait saisie ça. Nous avons l'autre bagage, nous allons le faire. L'un fin vérifier honnête, nous allons faire confiscation. Puisque jusqu'à présent, le camion ça ou là, pas aucun monde qui réclame, l'État autorise la loi, bonne possibilité, l'un fin confiscation pour nous vendre et marchandises et camions. C'est diverses instances dans l'État, tant que la police, la justice, la douane, secrétaire d'État, sécurité publique, ministère économie et finance, ministère commerce et industrie, qui mobilisent pour combattre la corruption contrebande dans le pays. Le directeur général douane a expliqué chaque acteur déterminé pour jouer partition par eux pour lutter contre contrebande dans le pays. Mairie Port-au-Prince a annoncé un ensemble de mesures pour aider à gérer plus bien la question Fatra dans la commune. Parmi les mesures, il mettait dehors un arrêté communal. Magistrat principal mairie, Yuri Chevry, qui était gagné à clé, substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, et directeur départemental l'Ouest, police nationale, Berson Soljou, poté jeudi 24 mai, plus explications sous disposition qu'apprend pour faire respecter l'arrêté SILA. Mais actuellement, nous avons une flotte de 18 camions avec un lot de. Dans le mois prochain, nous avons 7 autres camions avec 2 bacs loadeurs et un loadeur en plus qui nous permettent de faire travail collecte là, bas digestion. On a toujours dit collecte là qui permet que nous allons ménager. Ménager, ça veut dire en tant qu'à chaque grain de monde pour nous faire travail pour arriver dans la rue. Mais mes raisons, vraies raisons de faire la rue. Tout le monde est toujours demandé pour que ça ne pas empêcher les gens de jeter patra dans la rue. Certes, nous ne pouvons pas empêcher les gens, nous ne pouvons pas demander les gens de ne pas jeter patra, pas de côté pour jeter patra, si nous-mêmes nous ne pouvons pas faire suivi. Et bien sûr, tout le monde va parler de SMCRS. Le SMCRS couvre toute zone métropolitaine, mais chaque ville a le droit de gérer la tête dans la question d'insalubrité, ça veut dire nettoyage de la rue. C'est ça qu'on a réglé, c'est ça qu'on a fait, on est en paré, nous faisons prêt. Nous avons 2 semaines que nous commençons avec une expérience déjà. Nous divisons la ville en 9 blocs. 9 blocs, ça y est. Il y a des blocs qui sont plus gros que l'autre. Nous avons 13 compressifs qui travaillent sur eux. Ça veut dire que les compressifs, c'est le camion qui a pris un fatra, qui a compressé pour un maximum de fatra. 13 blocs, ça y est. Nous avons dit tout dans la tête. Nous divisons le port de 9. Le mardi, le jeudi, le samedi, nous travaillons sur 7 blocs. Et le mercredi, le vendredi, le dimanche, nous travaillons sur 2 autres blocs qui font 9. 2 autres blocs, ça, c'est sur 12 zones, Fontamara, Martissan, Bissanère, et qui travaillent dans 2 jours. Zone Jean-Mas, là. Interdit à quel que soit mon nom. Ou bien préciser, quel que soit mon nom.
côté travail pour l'État, côté simple citoyen, côté étranger, côté n'importe qui sorti là, si bon monde qui joue nous veut pas dans la zone ça yo, on tombe en bas là. Dans cas ça n'a pas là, c'est une sanction à l'amende. Donc amende c'est propre mon voisin. Ouais, article là c'est propre de 10 000 gourdes, 50 000. On met dans la sanction tout. C'est pour rapidement son tribunal qui prononce. Son tribunal qui prononce. Nous-mêmes, nous avons tout à vue, nous, à démarche ça, nous avons trouvé son démarche qui gagne pour finalité réguler le comportement de dans notre société là, par rapport à résidus et que pour nous capables de vivre saine et qui capable de permettre de marcher là-dedans et sans se balader là-dedans. Disposition légale qui crée. Donc nous là pour nous appliquer la loi et les réglementations à la fois de l'exécutif et des mairies. La police nationale d'Haïti, à la fois police d'État et son police communale, puisque les policiers, conformément à la loi, doivent exécuter les arrêtés des maires. Donc dans ce sens, policiers de la direction départementale de l'Ouest a recevoir instruction pour nous appuyer et exécuter, arrêter ça qui prend en fonction du pouvoir général, hein, de la doctrine. Donc la mairie, le maire, un pouvoir de police générale. Et dans le cas de pouvoir de police générale, ça, c'est la police de la salubrité. Donc côté que pour garantir santé et en même temps la sécurité, salubrité des populations, il y a des décisions qui prennent. Donc, la police nationale, donc dans le directeur départemental de l'Ouest, donc la France toute disposition pour que arrêter ça, l'exécuter et l'appliquer. Le journal la privé nan bout li, mais quelques points de développé avant nous aller. Président République la Jovenel Moïse est visité jeudi 24 mai foyer maison provinciale des sœurs salésiennes de Don Bosco dans Carrefour Feuille. Visite sa fête dans occasion fête Marie auxiliatrice qui c'est patronne salésienne yo. Équipe caravane changement dans département l'Ouest en main une série travail nettoyage dans rivière Blanche dans commune Gantier. Yon équipe télévision a te visité travail sa yo. Dans yon arrêté communal li mette dehors mairie Port-au-Prince annonce c'est une amende en 10 000 à 50 000 goudes contre tout le monde et toute entreprise qui a jeté fatra dans la rue. Une délégation CARICOM rentrée dans le pays depuis hier mercredi 23 mai. Objectif fait visite là, c'est pour travailler sur un projet CARICOM a mette campé qui baptisé projet mise en place accès sous résultat. Suite à diverses opérations contre contrebande, administration générale douane rive saisi yon vingtaine de camions qui tap transporté marchandises contrebande en Haïti qui sorti en République dominicaine d'après directeur général douane lan Jean-Jorel Janvier. Institut national la formation professionnelle INFP signe jeudi 24 mai deux accords. Yon ak organisation internationale travail et puis l'autre la centre interaméricain formation professionnelle. Accord sa yo doué aider augmenter capacité INFP dans cadre des formations professionnelles jeunes qui vivent dans milieu rural. Et puis à l'étranger, gen un président américain Donald Trump qui annulé sommet historique qui était prévoit pour jeudi 12 juin dans Singapour avec leader nord-coréen Kim Jong-un. Et puis avant nous aller, gagné Hubert Hermilus qui gagne 90 l'année, li quitté route Kaili depuis hier bloc 9h dans matin comme ça. Famille li mande n'importe moun ki ta wè personnage la sou route yo pou yo ta kontakte France Jean-Marie nan numéro nou pral bay yo 37 95 08 56 37 21 84 30 ou bien menel nan télévision nationale d'Haïti pour famille. C'est là nous mettons un bout avec téléjournal là. Merci à vous même qui t'ai prêté nos attention. Nous souhaitons passer une très bonne soirée en compagnie.